Salut, c'est Fabrice, le disquaire du web. Alors, on va continuer dans les rééditions de Mylène Farmer. Vous savez qu'Universal réédite les Maxi 45 Tours des années 80-90 depuis la fin de l'année dernière. Et en fait, ils nous en sortent à chaque fois 4, à peu près tous les 2 mois jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter les 4 derniers. Donc, ça en fait 12 hein, au total depuis le début. Les 4 derniers qui viennent de sortir en ce début avril. On a la réédition dans l'ordre d'abord du plus récent au plus ancien. Ça date de 1995, l'Instant X en Maxi 45 Tours. On a ici deux remixes qui sont géniaux, qui sont très rock, très rythmés. Voilà, le titre a été vraiment très très bien remixé à l'époque. Donc voilà pour ce Maxi. Ensuite, on continue avec Je t'aime mélancolie. Alors ça, c'est l'album d'avant, hein, puisque l'Instant X était anamorphosé. Là, c'est extrait de l'album L'Autre. Donc là, on remonte encore 4 ans avant, 1991. Dans le même genre que l'Instant X, hein, c'est pareil. C'est des remixes qui sont très rythmés, qui pulsent, qui envoient de l'énergie. Donc de très très bons remixes du titre fait pour l'époque. Là aussi, on en a deux, hein. Il faut savoir que les maxi CD comportent plus de maxi de remixes en général. Ensuite, on continue encore avant, Alan qui était sorti non pas en version studio mais en version live à l'époque. C'était extrait de son album en concert, sa première tournée qu'elle avait fait en 1989. Donc ce disque est sorti. Voilà, donc là on revient encore bien 2 ans avant Je t'aime mélancolie. Donc pareil, alors par contre le remix qui est sur ce maxi est le remix de la version studio et non pas un remix de la version live. Puisqu'on a eu deux extraits du live, on a eu aussi Plus grandir, et Plus grandir était un remix qui a été fait sur le live. Là c'est pas le cas, c'est vraiment la version studio qui a été remixée et on a l'extrait live donc en face B, donc la version normale en fait hein, qui est sur le disque en concert. Et puis on a une version aussi de Psychotric qui était un inédit pour l'époque, qui a figuré sur l'album L'Autre 2 ans après mais dans une version différente. Ici il s'agit du New Beat Remix, donc une version de Psychotric inédite. On finit ensuite avec Ainsi sois-je. Alors là on remonte encore dans le temps, un an avant, 1988, très beau souvenir avec le fameux Maxi Remix. Donc c'est une version extended, une version longue en fait, hein, voilà, donc qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la version de l'album, puisque la version 45 tours, elle, dure moins longtemps. On est autour des 4 minutes 30 par là, donc c'est la version radio on peut dire. Et la version qui est sur l'album était déjà plus longue, autour de 6 minutes. Et là on a une version qui dure 7 minutes 10 mais qui est assez proche finalement de la version album. Et puis en face B on a une autre version, le classique bonus beat de 6 minutes 22. Voilà, donc très belle réédition puisque le Maxi 45 tours original vaut cher maintenant, hein, autour des 100 €, hein, la cote est autour des 100 € si on le trouve en parfait état, et là on peut l'avoir à un prix très très intéressant. Voilà pour ces 4 Maxi 45 tours. Il y aura certainement d'autres sorties. J'ai pas eu d'informations d'Universal pour l'instant. Reste à voir prochainement pour son single Rolling Stone, hein, puisqu'il y a des maxi vinyles qui sont en prévision. D'ailleurs, il y en a 6 pour le même titre. Donc, je vous en parlerai hein, très prochainement dès que ça sortira. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.